partez déjà en commençant pour vous dire comment est-ce que c'était le fun la semaine passée. Pour ceux qui ont raté, là, je veux juste vous donner comme le regret de ne pas y avoir assisté. C'était vraiment le fun de se retrouver à Magog, de pouvoir être tout squeeze dans ce bâtiment. on était 405, il y avait quatre personnes debout. C'était vraiment cool. On a vraiment apprécié. Et euh, j'aimerais ça qu'on puisse, dans le fond, parce que Magog vont nous écouter la semaine prochaine. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse juste applaudir leur accueil très, très chaleureusement. Ils nous ont vraiment pris soin de nous et euh, on vous remercie, euh, les gens de Magog. Alors, on continue la série Je t'aime pour toujours. On est rendu cette semaine dans, dans vraiment, euh, je, je, je crois sincèrement, euh, euh, une. Euh, une thématique très intéressante. Et il uh, y en a plusieurs qui sont comme OK, le rôle des sexes. Affaire-là. Fait qu'on a vu l'introduction qui était par rapport à l'égocentrisme, le problème de tout mariage, le secret du mariage, la puissance, le secret qui est l'unité, la puissance qui est la guérison et la puissance qu'un mariage peut avoir sur chacun des individus avec leurs blessures et euh, l'essence même du mariage avec la semaine passée, la mission et l'amitié. Comment est-ce que l'amitié est, euh, est hyper importante dans un mariage et n'est pas accessoire? Donc, euh, ça, c'était vraiment ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, on va voir le rôle des sexes. Et euh, on a plusieurs, ben, souvent, début de parcours, comme euh, aujourd'hui, on a eu euh, une toune de euh, Cœur de pirates euh, faite par euh, Marie-Pierre et Le Band. Euh, qui démontre un peu c'est tu sais, toutes sortes d'aspects. On a eu aussi Vincent Vallière, euh, une tune qui parlait du mariage, de l'engagement. Euh, on a eu euh, d'autres tunes qui parlent d'amour, de, 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 de notre société moderne. Et tout ça c'est pour exprimer ou montrer un peu des facettes de comment est-ce que la société perçoit, voit le mariage, voit les relations amoureuses. Et après ça, nous autres, on part souvent puis on est par la bande influencé par ces perceptions-là euh, de notre société. Et on ne veut pas pr prendre une vision conservatrice, archaïque, juste historique, ni une conservatrice juste moderne, parce que c'est moderne, mais on veut prendre une, une, une vision biblique. Parce qu'on croit réellement qu'à l'intérieur de la Bible, il y, y, a, y a vraiment des perles qui nous aident et qui nous aiguillent dans une direction qui amène à l'épanouissement des deux individus, pas à l'écrasement de l'un et à, au relèvement de l'autre ou vice-versa, qui amène des guérisons, qui amène une puissance, qui amène une solidité, un ancrage extrêmement profond dans le mariage. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut explorer en profondeur tout, tout, tout ce que la Bible dit par rapport au mariage. Et pas juste les parties qui nous intéressent pour être en mesure d'apprécier à sa juste valeur ce que ça signifie être marié. Euh, encore une fois, je fais juste la, 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 la mention, s'il y a des gens qui ont des questions, envoyez-moi, ah, vous pouvez me faire parvenir par courriel Mariage à Commercial Axe 21 ou Mariage à Commercial Église 21. Donc, euh, gênez-vous pas, soyez très à l'aise. J'imagine que je vais avoir quelques questions suite à, au discours d'aujourd'hui. Alors, ne vous gênez pas, euh, commentaires même, questions, euh, quoi que ce soit, même par rapport au livre qu'on est en train de lire en ce moment euh, dans les groupes Connexion. Euh, sur le mariage, que justement la série est basée beaucoup. Ne vous gênez pas, posez vos questions. Donc, aujourd'hui, le rôle des sexes ou les rôles des sexes. Et euh, je, vais, je, vais, je vais passer à travers trois points. Trois points qui sont fondamentaux pour comprendre. Puis, je, je, avant de lire le verset, je veux qu'on puisse prendre le temps de voir c'est quoi les points. C'est un peu drôle parce que je veux qu'on puisse explorer c'est quoi. Les rôles des sexes, et est-ce qu'il y a des rôles? C'est quoi cette, cette affaire-là? -là, C'est quoi? Il y a des rôles différents? Comme, euh, et ça, je sais que ça griche incroyablement euh, dans, dans notre société, dans une, une société euh, déguisée d'égalitarisme dans une société où est-ce que souvent la femme a été oppressée euh, de parler de rôle, de distinction, de différenciation. Oh boy, là, là je commence à t'écouter avec les bras croisés, avec un sourcil qui plisse comme ça et vas-y, si amène là, tes affaires là. OK Aujourd'hui, c'est très important. Vous devez faire une chose pour moi, d'accord Ne pas sortir avant la fin. D'accord Hommes et femmes, ne sortez pas avant la fin. Si à la fin t'es vraiment choqué, tu viendras me voir, on va en parler, d'accord? Peu importe, OK? Mais je veux absolument, aujourd'hui, il va y avoir différents moments où est-ce que tu vas faire comme, c'est hein, si n'importe quoi, tu vas t'en retenir parce qu'il y a du monde autour de toi, fait que ça va, va bouillir en dedans, c'est correct, fait que ça bouille en dedans, mais attends jusqu'à la fin pour porter un jugement ou vraiment de, 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 un jugement sur ce qui va se dire et ce qui va se parler ce matin. Mon but ce matin, c'est qu'on puisse ensemble explorer ce qu'enseigne la Bible. Mais moi, je vous le dis, c'est un des passages que en début de semaine, je me disais "Oh boy, le défi est grand quand même." Puis je suis comme mal à l'aise d'aller dans cette direction-là, je suis comme "OK, c'est une patate chaude. OK, on change de main. OK, j'en parlerai pas trop." Puis là, je voulais comme j'avais comme tendance ou peut-être comme, euh, je ne sais pas, là, vu que j'étais un peu euh, feluette ou comme peureux, peu j'étais comme, OK, mais je vais parler de ça à la place de ça. Mais là, je veux vraiment, qu que je, je veux vraiment aborder le passage de front. Alors, je ne veux pas manquer de courage et je veux aller directement et plus que je m'imprégnais je et plus que j'allais en profondeur et plus que ça, ça se révélait à être une révélation. Euh, complètement différente de comment je l'avais perçue au départ. Et c'est vraiment mon désir ce matin que ça puisse faire le même effet. Donc, on va voir c'est quoi le rôle, les rôles des sexes, pourquoi le rôle des sexes et comment l'appliquer, tout simplement. Et là, il faut vraiment, comme en début de parcours, parler un peu de notre, notre, je sais pas, de notre bagage. Il y a une vision ancienne par rapport au rôle des sexes. La vision ancienne du mariage et du rôle au sein du mariage était purement fonctionnelle. Où plutôt, je devrais dire, premièrement fonctionnel. Donc, tu maries quelqu'un pour la stabilité, tu maries quelqu'un pour la stabilité financière, pour faire des enfants de famille. Donc, c'est vraiment fonctionnel. C'est vraiment le... Donc, pour que ça puisse aller plus loin dans la fonctionnalité, euh, on avait des stéréotypes qui vont avec ça. Donc, des stéréotypes où est-ce que l'homme s'en va travailler, la femme reste à la maison. Ça, c'est la vision ancienne du mariage. La vision moderne, c'est premièrement la romance. Premièrement, la romance qui. Il faut que tu trouves l'âme-sœur, la personne qui va vraiment venir te compléter. Et on met un, un poids, on met un fardeau sur le partenaire qui est difficilement supportable à long terme. Parce que c'est comme si on dit à l'autre il faut juste que tu sois par, mon parfait partenaire. Et euh, comme euh, vous, vous le constatez très régulièrement, tout le monde, en fait, on constate que très souvent, tout le temps, notre partenaire n'est pas aussi parfait qu'on l'avait imaginé au départ. Mais l'essence même du mariage repose sur deux personnes complètement imparfaites qui se mettent ensemble et qui, qui deviennent un et qui apprennent à s'émonder l'un l'autre, à se challenger l'un l'autre pour devenir plus semblables à Christ. Et la vision biblique, qui est ni un ni l'autre, la vision biblique du mariage, c'est de s'amener l'un l'autre à ressembler de plus en plus à Christ. Et le mariage est en fait un seul moyen utilisé par Dieu pour y arriver. Ce n'est pas le moyen ultime. Ce n'est pas le moyen style voici le moyen pour ressembler à Christ, parce que sinon les célibataires seraient dans le trouble. Fait que ce n'est pas comme si tu n'es si pas marié, et hey boy, tu ne seras jamais semblable à Christ. Donc ce n'est pas un moyen ultime, mais c'est un moyen très important. Et ça, faut vraiment garder en tête cet élément-là, parce que je sais que nombreuses personnes, par rapport à cette thématique-là, sont en réaction. Le retour du balancier par rapport à soit la vision ancienne, cest mes parents ont vécu comme ça, moi, oh jamais de la vie, je vais aller dans un modèle comme celui-là. Et là, on est en réaction. La montée du féminisme dans notre société est venue en réaction à un autre phénomène qui était négatif, qui était du masculinisme. Où est-ce que le masculin oppressait la femme d'une manière intentionnelle et dominatrice? Donc, c'est là où est-ce que ce qu'on ne veut pas, c'est d'être seulement en réaction à une blessure qu'on a subie. Et ça, j'en ai déjà parlé dans les semaines auparavant. Comment est-ce que très souvent, dans notre même mariage, dans nos relations avec les gens, même en dehors de, du mariage, souvent on est en réaction à des blessures qu'on a vécues. Donc, on recherche quelqu'un qui est très différent de la personne qui nous a infligé une blessure. Et c'est là où est-ce que. Par rapport à la, notre vision même du mariage et des rôles au sein du mariage, on ne doit pas tomber dans le même panneau. Le panneau de celui de rechercher l'inverse de ce qu'on a vu, qui était à notre sens, qui ne faisait pas de sens. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Et là, je n'ai pas le choix, je vais me mouiller un peu. Éphésiens euh, 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme vous l'êtes au Seigneur. Hey, vous avez remarqué, hein, je ne l'ai pas lu depuis le début de la série. Là. Je passais passé à côté. Je suis comme... OK, là, 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 je vous, je vous le dis. Là. Soyez pas frustrés en début de parcours. En passant, c'est le verset le plus utilisé pour discréditer la Bible. C'est-à-dire montrer que la Bible est complètement désuète. Que, hey, regarde, il est écrit ça dans la Bible et on a vu clairement comment est-ce que. L'homme, le masculin, s'est approprié cette phrase-là pour dire « Tiens, toi, ma grande, moi, te, sou, moi te soumets à, à ma juste mesure. Okay? » Et c'est là où est-ce qu'il faut absolument qu'on écoute attentivement et surtout objectivement ce qui suit. Okay? Parce que si on s'arrête à nos préconçus pour interpréter ce passage-là, c'est sûr qu'on tombe dans le panneau de la réaction. Donc, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » Alors, je pars avec cette prémisse-là, OK? Euh, je ne dirai pas ce qui est en bas. On l'a vu la semaine dernière, mais je ne dirai pas ce qui est en bas. Tim Keller dit, « Il y a l'approche conservatrice au mariage, qui met un emphase et un stress sur les rôles traditionnels des sexes. Il y a un grand emphase sur les différences entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est que cette emphase encourage l'égocentrisme, particulièrement du mari. Et c'est là où est-ce que, puis ça, je vais le traiter plus loin, mais ce verset-là nous évoque un principe général, et ça, je l'ai mentionné dans le premier discours soumettez-vous les uns les autres en révérence à Christ. Ça, c'est le verset 21. Et ensuite, c'est un principe spécifique d'un principe général. Donc, le principe spécifique, c'est, femmes, soyez soumises à vos maris, d'un principe général qui est, les deux, soumettez-vous l'un l'autre. Et un autre principe général, c'est aimez-vous l'un l'autre, mais qui dit au mari, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église, c'est donné pour elle. Donc, est-ce que la femme n'est pas appelée à aimer son mari? Non, est-ce que l'homme est appelé à ne pas se soumettre et juste la femme se soumettre Non plus. Parce que le principe de base, c'est soumettez-vous l'un l'autre en révérence à Christ. Pourquoi Parce que la vision biblique du mariage n'est pas la vision moderne ni la vision ancienne, n'est pas premièrement fonctionnelle, n'est pas premièrement romantique, c'est d'être de plus semblable l'un l'autre, de plus en plus semblable à Christ. OK Et gardez ça tout, constamment à l'esprit. Parce que le but du mariage n'est pas seulement de dire enfin je, je, je vis heureux et je m'épanouis tandis que l'autre est en train d'être écrasé. Le but du mariage n'est pas que de, de, dans le mariage j'accomplis mes, mes objectifs et que l'autre est en train de crever. Parce que si c'est ça, on est en train de soit réaliser la pensée fonctionnelle ou la pensée romantique et non pas la vision biblique. Donc, les deux sont appelés à s'aimer, les deux sont appelés à soumettre. Sauf qu'il y a un principe de base et il faudra absolument qu'on aille un peu plus loin pour chercher pourquoi ce principe de base-là émane et comment est-ce qu'il s'applique. Et c'est important ici de comprendre. Et je suis désolé, il y a des gens, peut-être qui sont ici conservateurs, que très souvent on a appliqué ce principe-là et Paul fait exprès. Paul, c'est lui qui a écrit ça. Okay? Pas, 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 pas cette citation-là, mais le verset d'avant. Paul fait exprès. Il laisse ça très vague. Il ne dit pas, voici les façons dont vous allez appliquer ce principe-là. Et la raison pourquoi il le fait est, très, est, est simple. C'est que tout dépendant des personnalités, des problématiques de chaque mariage, il va y avoir des situations où est-ce que, et là je vais expliquer ça de plus en plus tout au long du discours aujourd'hui, mais c'est là où est-ce que ce principe-là va prendre effet d'une façon différente d'un couple à l'autre. Il y a certaines, certains gens conservateurs qui vont dire... Ben voilà. Euh, une manière, j'étais choqué. Euh, ma femme était embarrée dans les toilettes. J'ai défoncé à la porte parce que dans la Bible, il écrit, -toi. Ça, est écrit soumets-toi. Ça, c'est une mauvaise façon d'interpréter un verset à la lumière de ce que moi je veux dans mon mariage. Ou bien, je pourrais aller dans quelque chose de plus soft. Euh, ben c'est clair. Comme on a voulu stéréotyper ce verset-là en disant. Un homme est appelé à aller au travail, la femme est appelée à rester à la maison. Les rôles traditionnels. Ça, c est, c est, ce n'est pas des rôles des sexes, c'est des rôles stéréotypés d'une vision ancienne du mariage qui est premièrement fonctionnelle. Donc, des fois, on a voulu stéréotyper certaines façons de procéder qui nous apportent à mal comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement se soumettre et aimer. Et c'est là où est-ce que si on interprète mal cette signification-là, on est en train d'attribuer un mandat ou une responsabilité à ce verset-là qui n'est pas du tout son but. C'est quoi? Et j'ai déjà parlé des rôles et des stéréotypes et je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est là où est-ce que les rôles sont purement définis à partir d'un principe de base. Et pour ça, je n'ai pas le choix de retourner à Genèse. Et dans la Genèse, on va voir comment est-ce que ces rôles-là ont été définis, non à partir d'un aléa, d'un aléa ou juste du hasard, mais vraiment reliés à certains éléments très précis. Et quand Paul adresse cet élément-là, il n'adresse pas un stéréotype. Il n'adresse pas une conception ancienne ou moderne du mariage. Et je veux vous poser une question à ce point-ci. Très souvent, quand on parle de ces passages-là, il nous vient toutes sortes d'idées, toutes sortes d'idées euh, de, de réactions, des pensées négatives. Et très souvent, ces, ces pensées-là sont reliées à certaines expériences négatives, certaines expériences où est-ce que vous avez vu votre famille, le couple de vos parents, interagir ensemble d'une manière qui n'était pas propre. Ou bien votre père utilisait ce passage-là d'une ma mauvaise manière. Ou bien penser dans les années 50, 40 et même des, des, des siècles auparavant où est-ce que très souvent dans plusieurs sociétés, la femme a été oppressée par l'homme, euh, même la, la femme-objet a été utilisée à maintes reprises. Et parfois, on a l'impression dans notre société moderne qu'on sort de cela, mais on a juste souvent très, juste de façon subtile, modifié cette perception-là de la femme-objet. On utilise encore autant, sinon plus, la femme-objet que, que toute dans l'histoire de l'humanité. 80 des publicités sont réalisées avec des femmes. Pourquoi? Parce que la femme vend. Donc, l'homme est encore, et c'est pour ça que Tim Keller, juste dans l'autre diapo, le problème, c'est que cette enfance encourage l'égocentrisme, particulièrement du mari, particulièrement, même, je mettrais plus largement, de l'homme. Ou est-ce que L'être humain et l'homme vont parfois et même très souvent utiliser la femme comme un objet, un objet même de soumission. Et je vais revenir à cette thématique-là. Et là, je dois vous parler un petit peu des différences. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a des différences marquées chez l'homme et la femme. Il y a des traits dès la naissance. Entre le garçon et la fille. Et suivez-moi là, ça, ça, ça va être important. Un jeune garçon, deux trois ans. Il y a une étude qui a été réalisée sur plusieurs euh, milliers d'enfants euh, qui répertoriaient les différences dès le jeune âge. Parce que euh, plusieurs sociologues ont tenté de démontrer que les différences hommes-femmes sont seulement sociologiques et environnementales. Dans le sens que quand c'est l'environnement qui crée les hommes et c'est l'environnement qui crée les femmes, on montre aux hommes à être des hommes, on montre aux femmes à être des femmes. Alors, si on montrera des femmes à être des hommes, ils deviendraient comme, auraient les mêmes caractéristiques. Et c'est ce que cette étude-là, dans le fond, c'est plusieurs études qui ont été rassemblées ensemble pour démontrer comment est-ce que les, les, les garçons et les filles ont des caractéristiques dès leur jeune âge, peu importe l'environnement, sur différentes nations, différentes éducations, différentes cultures. Donc, différentes cultures patriarcales, matriarcales, donc, tout enfant confondu. Et certaines différences, le, les garçons, souvent, quand ils arrivaient devant un obstacle, avaient tendance à grimper dessus. Les femmes, à la contourner. Euh, les, 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 les garçons ont une acuité ou une facilité. Euh, ah, non, je devrais dire plutôt les, les jeunes filles aiment, sont stimulées davantage par des stimuli de plus haute complexité. Versus les garçons, ils aiment ça quand c'est comme très simple. On va le dire comme ça. Euh, même par rapport à la musique, le rythme cardiaque des jeunes filles, deux, trois ans, augmentait quand ils écoutaient du jazz. Le rythme cardiaque augmentait tandis que les hommes, okay, rien, rien. Puis ça, là, ça a été fait sur des gros échantillons, là, pas comme un enfant, là, sur, sur, on, a, on a testé ça sur trois enfants puis il y en a un, okay, sur des grosses masses. Et tout ça pour dire comment est-ce que dès. Puis comme récemment, il y a une, une, plusieurs études qui ont confirmé que toutes vos cellules de votre corps sont stempées, sont étampées XY ou XX. Vous êtes intrinsèquement garçon ou fille, homme, femme, différence. Donc ce n'est pas juste une différence de tuyauterie. C'est une différence profonde et entière de votre entité. D'accord? Alors maintenant, je vais aller dans le pourquoi il y a des rôles dans le mariage. Donc, je vais, je vais utiliser le, ce qui est en jaune ici, car le mari est le chef de la femme. Et ça, et, euh, non, excusez, car le mari est le chef de sa femme. Et là, là, et ça, ça grige dans nos oreilles, on est comme, ok, le chef de sa femme, ça lui appartient, c'est à lui. Un autre principe général, quand tu te maries, les deux font un. Et on, on le voit comment est-ce que, ça, je, je l'ai déjà lu dans la série, comment est-ce que les deux s'appartiennent entièrement l'un à l'autre. Donc, la femme n'est pas plus à, à l'homme que l'homme à sa femme. Les deux se, se possèdent entièrement. Ils sont la possession, tout à fait, l'un de l'autre. Donc, ce n'est pas la femme appartient à son mari, mais le mari lui est libre comme l'air, puis il peut aller sniffer à gauche, à droite. C'est pas ça. Pas en tout. Même chose. Principe général, les deux s'appartiennent l'un à l'autre. Le mari est le chef de sa femme et la traduction ici, chef, euh, dans, puis on le voit un peu plus loin dans le passage, et très souvent dans d'autres traductions, on voit la tête de sa femme. Et on ne fait pas allusion ici à l'intelligence de son couple, à l'intelligence de sa femme. On parle juste ici, puis là je vais aller dans Genèse, de ce qu'on appelle autorité dans Genèse. Autorité. On a tendance à penser que c'est une police envers un contrevenant, ou quelqu'un qui est euh, un roi avec un serviteur, ou euh, un patron avec son employé. Donc, quelqu'un qui, qui est en position, de, comme souvent aussi on accorde une valeur différente à ces deux individus-là, souvent on va comme protéger davantage le roi que le serviteur, on va protéger davantage le patron que l'employé, etc. Et ce n'est pas la signification dans Genèse. Autorité, dans autorité, il y a le terme auteur. Auteur, et dans le, 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 le champ, lexical, l'étymologie du mot, le mot auteur veut dire que tu es le, comme de toi aimant, c'est comme un créateur, c'est comme, le, supposons, quelqu'un qui fait un tableau. Il, il a autorité sur le tableau parce que c'est lui qui l'a composé. D'accord? Et c'est là où est-ce que quand on parle de auteur, il faut absolument qu'on puisse comprendre qu'à l'intérieur du mariage, il y a des rôles qui sont très différents. Je vais essayer de changer de diapo, je pense que pour vous montrer un petit peu. Dans la Genèse, l'homme et la femme ont deux rôles différents. L'homme a eu comme rôle d'être un nommeur. Son, nom, son, son rôle, c'est de donner des noms à toutes les créatures. Et comme il faut comprendre que ce n'est pas à ce moment-là où est-ce que Dieu a dit, OK, là je t'allais un peu, là, fait que je vais te donner ça à Adam, je manque d'inspiration, vas-y, fais le reste. Pas du tout le cas. Être un nommeur, comme les parents dans un couple vont nommer leurs enfants, euh, souvent même euh, comme Dieu va nommer, euh, comme il a changé le nom de, 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 de Jacob, il a changé le nom de Paul, comme euh, dans, dans le Nouveau Testament, il a comme souvent quand que Dieu s'approprie quelque chose, quand qu il dit, tu, 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 tu es à moi, et pas d'une manière possessive, et d'une manière vraiment, tu es mon enfant, je, je, comme on, on, vient, on, on devient avec un lien qui est inconditionnel. Souvent, il change le nom. Quand qu'un roi conquérait une nation, il changeait le nom de la nation et le nom du roi pour dire :« Maintenant, vous faites partie de notre peuple. » Et la femme a été son rôle a été donné comme aide. Et très souvent, on a cette même perception là, selon laquelle un aide, c'est comme condescendant. C'est comme, un, comme une, une moindre mesure. C'est comme, OK, moi, supposons que je fais des réparations, je dis à, à ma petite fille, veux-tu m'apporter le marteau? Non, non, pas celui là le marteau. Là. Non, pas un tournevis, le marteau. Puis bien, OK, puis là, elle a de la misère un peu. Merci. Ce n'est pas ce principe-là, un aide. Parce que partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu s'appelle l'aide des êtres humains. Iseux, dans le, le terme original hébreu. On dit où est-ce que Dieu est le Iseux des êtres humains? Christ s'est fait Iseux. Il s'est fait l'aide, le, le, donc c'est même un terme qui, 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 qui inclut où est-ce que quand moi j'aide mon enfant, c'est pas que j'ai plus de compétences que lui et je l'aide à accomplir des choses. Donc, supposons que ma, ma, ma petite fille a de la misère à dessiner, je viens à côté, et je dis non, je prends sa main, et je l'aide. Donc, c'est un rapport de force, c'est un rapport de compétence. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'homme seul n'était pas, il était incomplet pour démontrer l'image de Dieu. Et Dieu, quand il a vu l'homme, il a dit, ça c'est pas bon. Le restant c'est bon, mais ça c'est pas bon. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose de vraiment important pour venir démontrer l'image de Dieu. Et c'est là où est-ce qu'il dit, tu as besoin d'une aide. Tu as besoin de quelqu'un qui va venir à ton aide. Parce que... Sinon, tu vas mal démontrer mon image. Et c'est là où est-ce que Aide et nomeur, nomeur, est nommeur. Nommeur, c'est la personne qui a la responsabilité. C'est la personne qui doit prendre ce qui. Euh, qui, 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 qui lui a été donné ce rôle-là de prendre responsabilité sur la création. Et l'Aide, c'est l'Aide qui vient aider dans toutes ses incompétences le nommeur, qui est comme beaucoup de difficultés à remplir ce rôle-là. Seul. Ça, c'est une féministe qui a écrit plusieurs livres. Euh, c'est une psychologue à Harvard. Euh, et elle écrit ceci. Les hommes se voient maturer lorsqu'ils se séparent et deviennent indépendants. Tandis que les femmes se voient maturer lorsqu'elles s'attachent en interdépendance. Et même, elle rajoute dans le reste de son livre, en réseau. Les femmes sont beaucoup plus équipées pour être euh, en relation avec les êtres humains. Elles sont beaucoup mieux pour établir des réseaux être Maîtriser l'émotion des gens. Des, les femmes sont beaucoup plus compétentes pour être en interrelation et, comme elle le, le, le décrit, les femmes se voient maturer quand qu elles sont en interdépendance avec des êtres humains. Les hommes, eux autres, deviennent, puis vous allez voir le rapport là, un peu plus loin, les hommes, eux, se voient maturer quand qu ils sont en, en indépendant. Et je vais prendre un exemple très simple quand, les, 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 quand vos ados à 18, 19, 20 ans quittent la maison, vos garçons, quand ils quittent la maison, vous allez peut-être les supplier de vous appeler une fois par deux semaines. Ça va être vraiment comme un maximum. Vos filles, très souvent, vont comme appeler, ils vont comme rester connectés, ils vont avoir une belle relation avec les parents qui, qui maintiennent ces interactions-là. Ils vont comme penser à leur fête. Ton garçon, no way. Okay? Ça, c'est comme des généralités. Alors, ça, les hommes, souvent, ils deviennent matures, ils se sentent maturés quand ils deviennent plus indépendants dans leurs relations. Les femmes se sentent maturées quand ils deviennent interdépendantes, quand ils bâtissent des réseaux plus efficaces, complexes, etc. Et c'est là où est-ce que la, la différence, dès la création, dès le début du monde, les hommes et les femmes sont très différents dans ce qu'ils sont. Ils ont été créés différents. Ils ont été créés et ensemble, ils deviennent l'image comme, je ne peux pas dire performante, là, mais qui représente bien Dieu. Alors, s'il manque un côté, il représente mal Dieu. S'il manque l'autre côté, il représente mal l'image de Dieu. Je continue. Alors, on a l'interdépendance et l'indépendance. Par rapport à leurs dons, l'homme et la femme ont des dons dès le début. Des appels différents, des tâches différentes à accomplir. Alors, étant donné, puis là, je pars de, cette, de ces mêmes, puis on voit comment est-ce que, euh, dès le départ, on voit comment est-ce que les femmes sont plus habiles avec ces interrelations-là. Donc, les femmes, dans leur appel, souvent sont comme beaucoup meilleures en connexion, en relation, en communication, sont plus habiles à développer ces, ces connexions-là. Les hommes, eux autres, ce qui les drive, c'est l'accomplissement. Dans un livre très 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 populaire, un best-seller, euh, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il marque, il, il décrit comment est-ce que les femmes, leur cerveau fonctionne différemment et les hommes fonctionnent différemment également. On voit comment est-ce que dans un autre livre, un peu plus récent, celui-là, un livre chrétien qui parle comment est-ce que je vais y faire référence dans deux semaines, comment est-ce que les hommes c'est comme des gaufres les femmes comme des spaghettis. Euh, les, les hommes, leur cerveau, c'est comme toutes des quadrillés, c'est comme des petites boîtes, tu ne peux pas faire deux choses en même temps, tu manges un carré à la fois. Les femmes, eux autres, c'est des spaghettis, tout est interconnecté, tout a un lien avec les choses, tout est comme, c'est un melting pot, tandis les autres, c'est comme tout cadré, c'est comme une chose à la fois. Je peux, non, wow, wow, là, là, je suis en train d'écrire une note, parle-moi pas, je suis comme, tu sais, une chose à la fois. Donc, ça, c'est comme les différences intrinsèques des hommes et des femmes. Donc, les, les hommes, c'est de, depuis leur. L'accomplissement même, comment est-ce qu'ils deviennent de plus en plus euh, matures? C'est quand ils prennent charge, quand ils deviennent indépendants, quand ils deviennent des nommeurs, des leaders, des responsables, des, des gens qui prennent autorité sur. Alors l'accomplissement, la plupart des gens, la plupart des gens qui sont drivés par l'accomplissement, souvent sont masculins. La plupart des gens qui vont, puis je vais, je vais y faire référence tantôt avec différentes études que, que j'ai lues cette semaine, euh, euh, puis c'est là où est-ce qu'il y, y a un côté noir, parce que chaque don qu'on reçoit a toujours un côté d'incompétence. In, Dans l'accomplissement, souvent, quand on parle des personnalités, on va voir, supposons, quelqu'un qui est très, très drivé et centré sur la tâche, souvent, il oublie les êtres humains il oublie d'être centré sur l'être humain. Quelqu'un qui est trop centré sur l'humain oublie la tâche. Et ça, on le voit dans plusieurs tests de personnalité. Et profondément, c'est des éléments qui recoupent par rapport au, au, à la personne même, ou, au, à l'appel même des deux sexes, homme et femme. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la chute. Et à la chute, on le voit dans Genèse 3, où est-ce que femme et homme ont été punis d'une façon différente l'un et l'autre. Je rendrai... Et là, c'est... Hommes et femmes, au départ, sont différents pour refléter Dieu. Après ça, il y a eu la chute. Ou est-ce que le péché est venu corrompre ces deux choses-là? Au départ, je vous le dis, ça grige dans, notre oreille, dans nos oreilles certains éléments que je dis depuis le début, parce qu'on a des images complètement distorsionnées de comment soit l'homme est venu écraser la femme. Ou soit, comment la femme est devenue contrôlante et a complètement menotté l'homme. Et là, on est comme, No way, si moi je pourrais être avec une femme comme j'ai déjà été hyper contrôlante, non, je vais devenir dominateur. Puis si le, le, la femme qui dit non, moi j'ai été avec un, un homme qui était tyrannique, contrôlant, dominant, puis jamais. Alors souvent, on va rechercher l'inverse, ou on l'a vu dans d'autres couples à l'extérieur. Et quand je vous dis ces éléments-là de base, les rôles, des appels de base sur lesquels l'homme et la femme étaient différents dès la fondation du monde pour refléter l'image de Dieu, quand le péché est introduit dans le monde, quand le péché est arrivé, c'est venu complètement corrompre ces rôles-là qui étaient parfaits à l'origine, qui étaient, qui étaient tellement, tellement la meilleure chose pour refléter l'image de Dieu. Mais après la chute, c'est devenu complètement une autre game. Femme, je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. Homme, eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Remarquez quoi? Les hommes et les femmes, il y a deux choses différentes sur lesquelles la punition s'applique. Les femmes, c'est sur leur relation. Sa postérité, son mari. L'homme... C'est son travail. La malédiction est orientée... Au début, c'était ton rôle et ton appel. Et à cause du péché, c'est devenu ton idole. À cause du péché, ces éléments-là sont venus à être corrompus et tu deviens obnubilé par ces choses-là. L'homme devient obnubilé par l'accomplissement il devient omnubilé par son travail, il devient omnubilé par, il faut que ça marche à ma manière. La femme devient omnubilée par ses relations, la connexion avec les gens, puis je vais aller un peu plus loin. Et c'est là où est-ce que euh, dans la, la malédiction amène des choses très différentes. Chez la femme, on a ce qu'on appelle, chez les psychologues, le princesse syndrome, le syndrome de la princesse. Et ce syndrome-là est décrit comme étant... Euh, je veux être pris soin mais d'une façon extraordinaire qui amène une dépendance et un contrôle une princesse ce que ça fait c'est que ça commande et ça a une grande dépendance envers les gens et la, 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 les gens qui sont à son service. ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de la princesse et chez les hommes, quand que ça marche pas à ta manière et que c'est ton idole que ça marche à ta manière certains mariages à cause de certains conflits sont devenus tyranniques de la part de l'homme particulièrement parce que son accomplissement n'arrivait pas à échéance. Il n'était pas capable de faire que cette patente-là fonctionne. Et il devient quoi? Tyrannique ou désengagé? Il devient dominateur ou complètement passif. Donc, la punition... Par rapport à nos rôles et différences de départ, qui étaient parfaites pour refléter l'image de Dieu, sont devenues avec la chute complètement distorsionnées. Ou est-ce que l'homme, ça l'amène dans la tyrannie, la dominance, parce que son accomplissement s'est rendu son idole, parce que c'est ça qui, qui a été maudit, et où il se désengage complètement, parce qu'il dit, moi, je veux pas que ça, ce qui marche pas, reflète ce que je suis. Et la femme, ça l'amène dans une dépendance une dépendance soit émotionnelle, soit relationnelle, ou un contrôle, un contrôle des relations, un contrôle émotionnel pour garder justement cette, cette, les gens dans son réseau sous une emprise. Une étude qui était sortie par rapport aux dépendances émotionnelles relatait que plus de 70% des dépendances émotionnelles étaient féminines. Euh, le suicide et comme dans une proportion, là, comme le suicide violent là, euh, est davantage partagé par les hommes, par plus de 65 Quand ça ne fonctionne pas de manière, un tyrannique, là, ça, je vous ai mis, euh, le, le, le lutteur, c'est un macho man. Les machos, cowboys, euh, le, le, le ram, puis ça, ça dans, du côté des hommes, on l'appelle le rambo, le syndrome rambo, qui, qui évoque un vrai homme, c'est quelqu'un qui est qui est tout en puissance, plein de testostérone, qui regarde les femmes comme des objets, qui prend, qui, qui, qui a des gros muscles, qui, qui s'aime lui-même et que les gens l'aiment. C'est quelqu'un de tyrannique, dominateur. Et ça, c'est le syndrome qu'on appelle Rambo. Et voyez comment est-ce que la chute influence incroyablement nos perceptions des rôles et notre interaction avec ces rôles-là, qui au départ étaient parfaits, qui au départ étaient, dans, pour démontrer l'image de Dieu, étaient idéal. Un couple, puis je, je vais y faire référence, vous allez voir comment est-ce que ça prend forme d'une façon pratique, mais un couple à l'origine, sans la présence du péché, était un couple qui reflétait parfaitement la, la présence de Dieu. Un Dieu relationnel. Un Dieu qui est capable de prendre action. Un Dieu qui est capable de, 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 de protéger, d'aimer, de se sacrifier. Un Dieu qui est complètement en, en intimité avec ses enfants. Et ça, l'homme n'aurait jamais pu le réaliser tout seul. Et ça, la femme n'aurait jamais pu le réaliser toute seule. Mais avec l'introduction du péché, arrivent les déséquilibres de part et d'autre, qui amènent des interactions complètement euh, à l'opposé l'un de l'autre, qui amènent très souvent dans nos mariages des conséquences qui sont difficilement réparables. Parce que l'homme, dans un couple, va devenir soit tyrannique ou désengagé quand la. la puis la femme va devenir dépendante, affective, qui souvent l'amène au contrôle. Et c'est drôle comment est-ce que ces deux principes-là, spécifiques d'un principe général, d'aimer et de se soumettre, sont spécifiquement là pour venir lutter contre la malédiction. Je m'explique. Paul. Il écrit ça en sachant très bien que les hommes, leur tendance naturelle, c'est soit de dominer ou de se retirer. C'est soit d'être là et de vouloir contrôler comment est-ce que l'accomplissement va se produire ou seulement d'être passif, retiré. Il y a un livre qui s'appelle Le silence d'Adam, qui mentionne comment est-ce que Adam, durant la chute, était juste comme effacé et silencieux. Et ça représente tellement bien les hommes. Des hommes qui sont comme juste désengagés, désengagés de, de, de la spiritualité dans leur famille, qui sont désengagés de, de, de l'éducation des enfants, qui sont désengagés de poursuivre leur femme, qui sont désengagés de vouloir lutter, se battre, être courageux, mais au sein même du mariage. Et les femmes, où est-ce que la soumission, et puis dans le fond, Paul, quand il adresse ça au mari, il dit, tu es appelé à aimer ta femme. Et aller même jusqu'à te sacrifier pour elle. D'être un leader serviteur. D'être quelqu'un qui va prendre action. Mais quand que je te dis d'être un leader, ça ne veut pas juste dire, c'est pas comme une promotion. C'est une grosse responsabilité qui vient sur toi. C'est une responsabilité que c'est toi qui vas avoir à répondre de ce qui se passe dans ta famille. Si ta famille, parce que tu as été retiré, tu as été silencieux comme. De toute ta vie, puis après ça, il se passe des choses, puis là, es comme « Ah, mais check, moi, c'est pas de ma faute, j'ai jamais touché à ça, moi. » Mais ça, c'est souvent la tendance masculine à vouloir se retirer dans la passivité. Et la soumission, quand Paul adresse, encore une fois, ce principe-là spécifique d'un principe général, il est en train d'attribuer ou de, de venir vraiment adresser quelque chose qui, qui, qui émane directement de la punition, qui émane directement de la chute. Parce que la, la tendance... Naturel, dû à la chute, relié au rôle de la femme, va être de prendre contrôle. Tu n'es pas capable de le faire, je vais prendre contrôle. Je vais, je, vais, je, vais, je vais contrôler tout ce qui se passe dans notre environnement familial, dans notre environnement de couple. Et c'est là où est-ce que d'entendre la soumission, c'est comme Hey, wow, ça dépasse mon entendement. Parce que, premièrement, il n'est même pas digne que je me soumette. Et ça, je vais le traiter plus tard. Donc, je vous pose la question à ce point-ci. Quel genre de sentiment ce verset d'aujourd'hui fait émerger en vous? Et pourquoi? C'est quoi qui devient en ce moment à l'esprit? C'est quoi qui vient? Qu'est-ce que ça vient causer comme émotion, comme sentiment? Quel souvenir pénible ça vient évoquer en toi? Et là, je, ah, je vais passer au comment. Et c'est là où est-ce que je vous montre mon graphique. Et à ce graphique-là, il n'y a pas de point de départ. Il n'y a pas de point de départ et c'est très important. Parce que qui doit faire quoi en premier? Les deux sont appelés à se soumettre l'un à l'autre. Les deux sont appelés à s'aimer l'un à l'autre. Alors... C'est à quel moment l'un se soumet à l'autre, l'autre aime l'autre, l'autre se soumet à C'est comme si ça devient un peu n'importe quoi. Ça devient comme, OK, il n'y a plus de principe général. Mais c'est là où est-ce que plus que tu comme il faut, plus que tu es un leader-serviteur, et plus qu'elle va vouloir. Moi, là, personnellement, là, moi, je suis prêt à me soumettre à n'importe qui quand je. Puis il y avait une, la semaine passée, j'ai fait une conférence sur le leadership. Puis on parlait, puis je vais vous montrer une citation tantôt. Mais le leadership, les meilleurs leaders sont souvent ceux. Puis il y avait un exemple où est-ce que durant la deuxième guerre mondiale, il y avait un, un sergent qui était euh, justement au front. Puis de année, il y avait toute son équipe qui devait aller au front, et euh, les supérieurs de ce sergent-là ils ont dit, vas-y pas, parce que c'est sûr et certain que ça va être un sacrifice. On doit faire ça pour prendre, prendre les lignes ennemies, mais c'est presque sûr qu'il va y avoir une perte totale. Et lui a dit, euh, c'est sûr que je désobéis à cet ordre-là. C'est sûr et certain. Parce que moi, je suis au front avec mes soldats. Je suis même le premier au front. Et mes soldats me suivent. Moi, un, 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 un chef comme ça, qui est prêt à mourir en avant de moi, n'importe quand je le suis. Le suivre? Je pourrais faire un synonyme. Le suivre, me soumettre. Soumettre à ce qu'il demande, pas de problème. Je le suis, il est prêt à mourir pour moi. Il est prêt à aller devant moi. Pas, pas de problème. Je suis les yeux fermés. Par contre, si c'est quelqu'un qui est en arrière du peloton, même dans sa cabine, vite par balle, « Let's go, l'attaque! » Je fais comme, « No way! C'est quoi ça? » C'est comme, « Tu m'offres en sacrifice à l'ennemi? »« No way! Ça ne marchera pas comme ça! » Et c'est là où est-ce que si dans le couple, on n'a pas de leader-serviteur et on n'a pas cette, cette attitude-là de, 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 de rite, d'interaction de, mutuelle où est-ce que les deux, l'un et l'autre, sont appelés à se soumettre, les deux, l'un et l'autre, sont appelés à s'aimer, se sacrifier l'un l'autre, on ne pourra jamais avoir un avancée perceptible au sein même du couple parce que le couple, plus qu'il est en amitié, plus qu'il est fusionnel l'un et l'autre, et moins qu'on va faire appel à ces éléments-là. J'écoutais justement un prédicateur qui parlait comment est-ce que. Puis moi-même, dans ma vie, quand on parle de soumission biblique, ce n'est pas une affaire que tu utilises toutes les semaines. Ça arrive une fois sur une main dans un mariage en santé. Donc, puis je vais en revenir à ce terme de la soumission. Mais c'est là où est-ce que si le gars de lire ce verset-là, femme, soumettez-vous à vos maris, c'est une bonne nouvelle. Moi, ça me dit que c'est une mauvaise nouvelle, que ce soit une bonne nouvelle pour toi. Parce que si le, le, le sergent est en avant, puis est comme, il se fait dire, va l'attaque, puis toi, va, va pas en avant de ça, puis que lui, pour lui, c'est une bonne nouvelle, yes, mes soldats, allez-y. Si lui, c'est une bonne nouvelle, c'est un très mauvais leader. C'est un très mauvais nommeur. C'est un très mauvais comme, c'est quelqu'un que tu ne veux pas suivre. Fait que les hommes doivent se rendre suivables. Tout ça à l'image de Christ, en respect à Christ, parce que le but du mariage, c'est d'être de plus en plus semblable à Christ. Fait que si moi, ma tendance, c'est de me désengager, puis que Dieu me demande de m'engager, puis de l'aider, ça, c'est pour venir à être de plus en plus semblable à Christ. De me sacrifier parce que je suis purement égocentrique, de me sacrifier comme Christ s'est sacrifié pour son Église. Ça, c'est pour m'aider à devenir de plus en plus semblable à Christ. Ce n'est pas pour faire de moi un, un, un homme macho man qui va prendre possession de son couple. Non, c'est pour venir contrecarrer l'effet du péché dans ma vie, qui vient me rendre complètement différent de Christ. Fait, quand Paul adresse ces choses-là, c'est qu'il vient contrecarrer des éléments de la chute que je, qui fait en sorte que je me différencie de plus en plus de la personne de Christ. Et même chose pour la femme. Il est en train d'adresser des choses spécifiques de la chute. Tes relations deviennent une idole. Tes relations sont comme. Puis des fois, notre famille. Notre... Puis quand il a dit les douleurs de l'enfantement, il y a les douleurs de l'accouchement, mais même après, la femme est très maternelle. Et des fois, elle va avoir des aspects de contrôle au sein même de la famille parce que la famille devient l'idole. Et c'est là où est-ce que ça vient adresser des idoles parce que quand ça devient une idole, c'est la chose qu'on poursuit le plus et on oublie d'être à l'image de Christ. Et le péché prend racine dans nos vies. John Piper dit la complémentarité. Écoutez bien ça, c'est très bien dit en plus. La complémentarité signifie que la musique de nos relations ne doit pas être simplement chantée à l'unisson. Il devrait être la musique intégrés de soprano et basse, alto et ténor. Cela signifie que les différences des hommes et des femmes seront respectées confirmées et valorisées. Cela signifie que hommes et femmes n'essayeront pas de reproduire l'autre, mais mettront en évidence dans l'autre ses qualités uniques pour un enrichissement mutuel. Le rôle à l'intérieur même du couple, c'est de s'enrichir l'un l'autre, c'est de s'élever l'un l'autre, c'est de se servir l'un l'autre. Les deux sont appelés à... Comme si les deux sont appelés à se soumettre, les deux sont appelés à être des leaders, serviteurs. Un couple, plus un couple a une amitié, puis là je reprends l'expression de la semaine passée, plus qu'un couple a une amitié profonde, une chimie profonde, une synergie profonde, moins que les différences sont palpables, moins que les différences d'opinion sont palpables, plus que la communication est efficace. Plus que le, le, les opinions vont s'influencer l'un l'autre. Un couple en santé s'influence continuellement l'un l'autre. Si un a une influence incroyable et l'autre très peu, c'est qu'il y a une distorsion au sein même du couple. Il y a soit les points de l'amitié avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, tu as une influence incroyable sur elle et sur lui. Si dans ton couple, ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a peut-être une situation de dominant dominé. Et des fois, c'est peut-être la femme qui est la dominante, dominée. Ou des fois, c'est l'homme qui est dominant et tyrannique et dominé. La soumission n'est pas, et ça je dois absolument le mentionner, l'infériorité de la femme. Et ça, c'est clair dans tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, d'un couvert à l'autre de la Bible. Il n'y a jamais une notion, l'homme et la femme sont égales en valeur. Ce n'est pas une promotion. De valorisation. Aucunement. C'est une adresse de nos péchés, de nos idoles. La dominance de l'homme. Ce n'est pas enfin l'homme peut prendre sa place de mâle dominant, macho-man. Aucunement. Une obéissance inconditionnelle de la femme. Non plus. Une indépendance décisionnelle de l'homme. Non plus. Et je ne veux pas toutes les expliquer et donner des exemples, mais une, une obéissance inconditionnelle de la femme, quand vous avez un de ces éléments-là, tu retrouves inévitablement un déséquilibre et un péché, un idole qui a pris racine d'une façon complètement non-biblique dans le couple. Que la femme ne peut occuper des rôles de direction, et ça, c'est très intéressant, parce que Dieu donne ces rôles-là au sein du couple, au sein de son Église, mais. Une femme en position de direction dans une entreprise, non, il euh, n'y a pas de problème. Une femme en position d'autorité, euh, je ne pas moi, police, politique, il n'y a pas de problème. Dieu donne pas des directives par rapport à, à le monde entier. Et des fois, c'est là où est-ce que les conservateurs vont vouloir prendre un principe et l'extrapoler à plusieurs éléments, puis comme la citation de Calais au début disait, ça va nourrir l'égocentrisme du mari particulièrement et de l'homme particulièrement. Parce que c'est comme Ah, c'est une bonne nouvelle! Les femmes sont soumises aux mari, yes! Fait que, fait que les femmes en général sont, au, sont, sont soumises aux hommes en général. Et ce n'est pas le cas. Et c'est important de ne jamais extrapoler un concept, ne jamais extrapoler une vérité, parce que le but de la vérité est de vouloir adresser des éléments très précis dans la vie de l'être humain. Et ça, ça se fait, oui, dans le couple, mais pas comme les hommes sont le chef des femmes. Ce n'est pas le cas. Que l'homme peut l'exiger. Et ça, c'est très intéressant. Si une fois dans ta vie, tu entends de la part d'un gars dire, les femmes doivent se soumettre, <laughs> je ne dirais peut-être pas ça, mais ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est inacceptable. Ça ne se fait pas de dire, je, je, je t'exige te, je mon leadership. Le leadership, ça se gagne. Pour être un leader, tu dois avoir des suiveurs. Et pour te, avoir des suiveurs, ils doivent décider de te suivre. Tu ne peux pas dire décider de me suivre parce que je ne veux pas vous exiger de me suivre pour faire de moi un leader. Je vais être un leader parce qu'il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui décident de vouloir se soumettre à ce leadership-là. Donc, le comment, dans les discussions, je dis une citation qui est très intéressante de Steve Stevens, un docteur. Qui écrit un livre sur le mariage qui dit Une vérité sans sensibilité peut être cruelle et une sensibilité sans vérité peut être une sentimentalité erronée. Nous avons besoin à la fois de la vérité et de sensibilité. Et c'est là où est-ce qu'un homme qui dit C'est ma manière, l'accomplissement au sein de mon mariage, que ça va fonctionner comme ça, il n'est pas sensible à, aux forces de sa femme va continuellement l'entraîner dans, dans, dans une direction qui est aucunement une, une, une attitude de leader au sein de son mariage. Il va perdre éventuellement cet, cet input-là, il va perdre ce, ce suiveur-là. Alors c'est là où est-ce que, quand on est aucunement conscient des différences et de la valorisation de ces différences-là, on écrase ces différences-là. Donc, les masculinismes vont dire... Enfin, ça, les femmes doivent se soumettre et les féministes vont dire, jamais de la vie. Les femmes sont meilleures. Et les hommes vont tirer de leur barre et vont dire, les hommes sont meilleurs. Et c'est là où est-ce que ça, c'est une diminution de la beauté des différences. Ce qu'il faut, c'est de valoriser les différences au sein même du couple pour voir comment est-ce que ces deux individus-là sont incroyablement complémentaires pour refléter l'image de Christ. Et là, je vais parler aux hommes. Au aux hommes dans cette salle. Mariés, pas mariés. Et je vais prendre une citation de John Bryson que je trouvais tellement bonne. Euh, il a un PhD, un post-doctorant en leadership, OK? Il a étudié ça un peu. Et il dit, le garçon, le garçon, là. Et on a une culture dans notre société de... la culture du garçonnet. Je lisais une étude en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, la moyenne de joutes de jeux vidéo à 80 masculine était de 3 heures par jour. Et la moyenne d'âge était de 34 ans. Et je, si vous dites, oh non, c'est en Amérique du Nord, là, ça ne doit pas être chez nous, Montréal est la capitale du jeu vidéo en Amérique du Nord. Okay? Et ça, ça fait vraiment partie de la culture du garçonnet. Si tu imagines ou flirtes avec l'idée de devenir un leader dans ton couple, je ne te dis pas le chef de ta femme, je te parle d'un leader dans ton couple, un leader dans ton mariage, dans ta famille, dans ton église, dans ta ville, dans ta communauté, et que tu es encore un garçon dans ta mentalité, il n'y a personne qui va te suivre. Il n'y a personne. Et il dit, le garçon blâme, l'homme prend charge, le garçon prend, l'homme donne, le garçon se plaint, l'homme prend action, le garçon se décourage, l'homme persévère, le garçon espère, l'homme fait, le garçon commence, l'homme finit. Le garçon raidit son coup, l'homme se met à genoux. Et ça là, homme dans cette salle, si tu souhaites que si tu souhaites que ton couple et ton mariage puissent être en santé, si tu souhaites que ta vie puisse avoir une influence, un impact, si tu souhaites avoir un impact dans cette société, dans ce monde, et que tu n'es pas prêt à te mettre à genoux, à être un serviteur, un, un leader serviteur, d'être quelqu'un que les gens veulent suivre, parce que tu as ces traits-là de garçonnet, tu as cette, cette déculpabilisation rapide-là, cette... Ce retrait-là, cette passivité-là, c'est je vais regarder qu ce qui va se passer, ma femme va s'occuper des affaires, puis moi je vais rester en retrait. Tu ne seras jamais un homme qui te prend en charge. Tu vas être un garçon. Et il n'y a personne qui va être marié avec un garçon. Ou presque. Le leadership, est-ce est que c'est un privilège ou une responsabilité? C'est une grande responsabilité. Le leadership spirituel. Et je te pose la question. Et je me pose aussi la question, on se pose la question. Est-ce que homme ici, est-ce qu'on est les premiers à proposer à notre femme de prier, de lire la Bible Est-ce qu'on est, qu est le premier à vouloir faire des pas vers Dieu, à vouloir être en connexion avec Dieu Ça c'est ce qu'on appelle du leadership spirituel. Le leadership serviteur, ça veut dire qu'on est prêt à se sacrifier. J'ai un exemple en tête où est-ce que euh, une année, euh, il y avait un couple qui avait une grosse argumentation euh, il était vraiment pas d'accord l'un avec l'autre sur un sujet. Et là, si on lit le verset, on dit ah, la femme doit se soumettre à son mari. Et lui, parce qu'il dit, Christ est venu comme un serviteur, un, un, un roi serviteur. Il s'est mis au service. Il a décidé de, 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 de se soumettre et d'aller dans la direction de sa femme. Donc, il n'a pas choisi le chemin de la soumission. Il a choisi le chemin de, du service, de l'amour, de se donner. Et là, le leadership sexuel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui-là, là, le leadership sexuel? Quand tu es un leader, okay, normalement tu as l'idée des gens. Mais la première personne que tu dois l'idée, c'est toi-même. Et si tu n'es pas capable de te l'idée toi-même sur ta sexualité, et je parle en ce moment de pornographie, je parle de sexualité, de relations, de, de tes yeux, de tes pensées, je parle de ça là, en ce moment-là. Si tu n'es pas capable de te l'idée sur ta propre sexualité, comment tu penses que dans un couple, tu peux être un leader, respecté? Comment est-ce que tu peux être un leader qui est comme valorisé parce que tu n'es même pas capable de leader toi-même et ta personne? Et un leadership moral. Moral dans le sens que très souvent, je vois que dans un couple, le leader moral, c'est la femme parce que l'homme est juste en passivité. Il se croise les bras puis, ah, oh, moi j'aime bien le gris. Moi j'aime bien ça quand, bof, on verra comment ça va tourner. Encore une fois dans la passivité, dans le regard, dans le retrait. L'homme est appelé à être un leader moral. Est appelé à cha se challenger lui-même et challenger son couple, Est appelé à l'idée sur ces éléments-là, pas juste regarder la parade. Et quand je dis l'idée, c'est pas genre wow, c'est une promotion, non, c'est une grande responsabilité parce que tu vas avoir à répondre de ça. Tu vas avoir à répondre de ce silence-là. Ou de ce manque de leadership-là dans ta vie personnelle? Est-ce que tu as des gens qui, que, que tu tiens redevables envers toi sur les choses, sur tes luttes, sur ce que tu vis? Parce que si tu as des jardins secrets, qui sont même secrets de ta femme et que toi seul sais, ça, ça veut dire que tu manques de leadership envers toi-même. John Maxwell dit, « Un bon leader est une personne qui prend un peu plus que sa part du blanc, mais un peu moins que sa part du crédit. C'est beau, ça. Et quand je parle d'un homme comme ça, je vous le dis, si on avait tous des hommes comme ça dans notre société depuis la fondation du monde, ce verset-là, il ne gricherait pas en tout à nos oreilles. Pas de trouble. Moi, demandez-moi n'importe quand de me soumettre à, à quelqu'un comme ça. J'y vais. Il est prêt à donner sa vie. Il est prêt à se sacrifier à tout moment. Il est prêt à tout moment à, à se mettre à genoux. C'est lui qui prend les devants. N'importe quand. Comment, pour la femme, aide relationnelle, il a besoin d'aide, le pauvre. Il a besoin d'aide. Les hommes ne sont pas très bons dans les relations générales. Ce n'est pas les meilleurs en communication. Au niveau des relations, souvent, ma femme va dire, "Hey, tu as, as été un peu dur. Tu n'aurais peut-être pas dû dire ça de cette manière-là. Au début, je suis comme, bon, oh hein, voyons, voyons, non. Hé, check. Si il l'a pas pris, c'est son problème. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Puis, tu as toujours le choix d'aider de deux façons. C'est soit que, moi, je, quand, qu avec ma fille, ou avec mon gars, mais mon gars, il, il est encore un peu jeune, mais avec ma fille, si je dis, gars, c'est pas faire un soleil, check, va t faire, ton soleil? Dérange-moi plus. Ou sinon, je prends sa main et je dis, OK, un soleil, c'est rond avec des rayons. Là, la première fois, elle est comme Ah, OK. Puis là, la deuxième fois, son soleil est vraiment laid, mais elle essaye. Tu comprends? Elle est déjà comme un step plus loin. Puis la deuxième fois, je dis OK, non, un peu comme ça, puis je donne du feedback. Je peux prendre sa place pour lui montrer comment faire et la dénigrer au passage. Tu ne sais pas comment faire un soleil. Voyons donc, facile. Tout le monde sait faire un soleil. Ou sinon, tu peux dire c'est comme ça. Puis tu l'aides à progresser parce qu'elle n'a pas les compétences encore. C'est la même chose pour vous, les femmes, envers votre homme. Il n'a pas encore les compétences. Fait que tu as le choix de le faire à sa place ou de lui montrer comment. Lui montrer comment interagir, comment aimer, comment relationner d'une façon que les gens vont se sentir aimés, pris soin. Vous pouvez lui montrer comment être un bon leader parce que je suis certain, il y a, au, au sein même du couple, il y a des couples. C'est là où est-ce que ce principe-là s'adresse à. Il est ça très général parce que ça dépend beaucoup des personnalités, des cultures et des contextes. Vos personnalités sont différentes au sein même du couple. Il y a certains couples qui ont besoin de lead, plus de leadership de la part de l'homme parce qu'elle est prête, mais lui, il n'a pas de leadership, c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux? Fait que lui, il est comme, quand il challenge comme ça, ce challenge-là repose beaucoup plus dans une direction que dans l'autre. Dans d'autres circonstances, dans un couple, tu vois que la femme est hyper contrôlante. Le, le gars, a de la misère à prendre sa place. Il est insécure à tout ce qu'il fait parce que, OK, tu veux que tu vas il va t'aider. Bang! Il va le faire à ta place. Et dans ce cas-là, ce verset-là s'applique. Non, tu dois lui apprendre, tu dois te soumettre à lui, à son leadership, puis à On dit ça en anglais, mais l'empowerment, c'est comme lui donner la possibilité de grandir là-dedans. Donc, un l'autre ne peuvent pas bien accomplir leur rôle quand il n'y a pas une soumission mutuelle l'un à l'autre. Quand les deux veulent pas faire progresser l'un et l'autre dans une mélodie qui fait du sens. Aide spirituelle. Aide ça, spirituel ça veut dire aide dans la prière. Aide sur ce qui le concerne, sur ses luttes intérieures, sur ce qui, ce qui l'habite. Un aide spirituel, c'est moi, je sais qu'en ce moment, ma femme est à la maison en ce moment puis... Parce que mes enfants étaient malades, mais je sais qu'elle a pris pour moi parce que je suis ici, la scène. ça a Ça, c'est une aide spirituelle. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, cette aide-là, parce que j'ai absolument besoin de quelqu'un qui lutte avec moi, qui lutte pour moi. Et un aide à faire équipe. Les femmes, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Ils maturent en interdépendance. Donc, en relation, dans les connexions complexes. Donc, la femme est très, très habile. Pour établir des liens d'équipe. L'homme, des fois, il va être très indépendant dans ses actions, très autonome, mais souvent, il oublie l'interaction le, 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 entre les deux individus pour faire une équipe qui, qui se construit à deux. Et c'est tout là où est-ce que la femme est très, très équipée pour aider l'homme à voir la, la, la valeur de faire équipe d'une façon constructive. Je vais inviter l'équipe musicale, je vais finir là-dessus. Donc, depuis le début, j'arrête pas de parler de soumettez-vous les uns aux autres en révérence à Christ. Ça, c'est le principe de base. On est en... Le but de notre mariage, c'est d'être de plus en plus semblable à Christ. N'est pas de soumettre l'autre, mais que je puisse être un serviteur, un leader serviteur, quelqu'un qui aime ma femme de façon sacrificielle. Oui, ça, c'est challengeant, qui est prêt à mourir à moi-même, qui est prêt à mettre mes dadas de côté pour la servir, pour être à son service, pour l'aider à mettre en valeur ce qu'elle est. Et elle est... Elle, elle, son but dans le mariage, elle veut, même si ça va contre sa nature, elle veut mettre en. en elle veut comme empower, m'aider, m'aider à, 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 à être plus à l'aise avec les gens, à, à être plus en, un bon leader, à être quelqu'un qui, qui spirituellement est connecté à Dieu. Elle veut m'aider à dans, dans avoir plus de grâce envers les gens, dans mes interrelations avec les gens. Dans 2 Corinthiens, il dit Soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quand un couple est basé, est basé en Christ, et dans l'Évangile, le couple, son target, sa cible, n'est pas son bonheur actuel, mais c'est sa ressemblance à Christ. C'est pour ça que si dans un couple, puis je n'ai parlé un peu la semaine dernière, mais si dans un couple, un chrétien avec un non-chrétien, où est-ce que quelqu'un, sa base même, c'est l'Évangile, la base même, c'est de ressembler à Christ, puis l'autre n'a rien à faire, lui, il est comme, « Hey, normalement, là, tes supposé être un leader spirituel. » Puis lui, il ne croit pas en Dieu. Oublie ça, là. Tu ne peux pas avoir une quelconque mesure de, 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 de cohésion. Et c'est pour ça que Paul, quand il parle de ne pas se marier entre chrétiens et non-chrétiens, c'est juste parce que le fondement de notre vie est différent. Ce n'est aucunement à cause d'un concept de condescendance ou un concept de nous autres, on l'a l'affaire, les autres, ils ne l'ont pas. C'est une question de Dieu nous enseigne des principes, il nous donne sa parole pour qu'on puisse se nourrir à même ces principes-là pour avoir un objectif qui est de ressembler à Christ parce qu'il est notre roi. Il nous a donné l'exemple ultime du roi-serviteur qui est venu. Qui est venu aimer jusqu'à donner sa vie. Et ça, on veut s'en nourrir tous les jours de notre vie. Parce que le mariage est un outil entre les mains de Dieu pour justement nous émonder, pour qu'on porte du fruit, pour qu'on soit à sa ressemblance. Et il dit Soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix de Dieu, d'amour. Tout ça dépend de lui. Tout ça dépend de sa présence dans nos vies, qui chaque jour, et il connaît exactement les faiblesses de chaque personne dans cette salle. Il sait exactement si tu es un homme, une femme, il, sait, il connaît très bien tes faiblesses. Il connaît tes, tes blessures du passé. Il connaît comment est-ce que tu, pourquoi tu réagis en ce moment, parce que tu as été blessé dans le passé, parce que tu as vécu quelque chose, tu as vu tes parents interagir et plus jamais ça va se produire comme ça. Donc, tu es en retour de balancier. Dieu connaît ça et il veut te libérer de cela. Et très souvent, il va utiliser ton couple pour le faire. Dans quelle sphère vous manquez de leadership et d'aide l'un envers l'autre dans votre couple Dans quelle sphère vous avez de la difficulté à prendre votre place ou la laisser Et pourquoi C'est les questions que je vous pose ce matin, que je vous laisse avec ça réfléchir. Je sais que je vous ai donné beaucoup de matériel à réfléchir, mais ma prière c'est que ce soit pas juste du matériel, des connaissances mais que ça puisse descendre au cœur pour qu'on puisse avoir une dimension une vision spirituelle de ce que Dieu veut dans notre couple et dans notre vie et de quoi il veut nous délivrer en ce moment même dans notre vie dans notre personne dans notre personnalité même de quoi de quel aspect il veut travailler et il veut utiliser mon couple il veut utiliser notre mariage pour le faire je vais prendre un temps de prière ici parce que je sais pertinemment que j'ai dit beaucoup de choses qui Certainement ont choqué, blessé, attristé certaines personnes. Et je veux aucunement manquer de sensibilité en adressant ces choses-là. Je veux qu'on puisse prendre la parole de Dieu et pouvoir l'explorer parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos tendances. Et je veux que ce Dieu-là puisse nous transformer et que ce soit pas comme un discours qui nous transforme, mais l'Esprit Saint qui vient nous transformer chacun dans ce que l'on est. Oui, Père, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es la source de tout. On veut étudier ta parole parce qu'on sait que là-dedans tu as mis tout plein de vérités pour venir nous libérer, nous rendre libres de ces chaînes qui nous habitent, de ces, de ces blessures qui nous habitent. On veut te faire confiance que tu es en train de faire ce travail-là en ce moment dans nos vies, Père. Prends la place qui te revient. On veut, Seigneur, se soumettre à ton autorité. On veut se soumettre entièrement et complètement au Dieu que tu es. On veut, Seigneur, que l'humilité puisse nous habiter, hommes, femmes, que les hommes puissent se lever et puissent être des hommes de Dieu, des hommes de prière, des hommes avec un leadership spirituel fort, un, des hommes avec un leadership mature, un leadership de caractère, un leadership, Seigneur, qui reflète qui tu es. Que les femmes puissent être un aide compréhensif envers leur homme qui, très souvent, manque de compétences au niveau relationnel, au niveau des de, de, de compréhensions des réseaux, des interrelations. Qu'ils puissent, Seigneur, voir comment est-ce que ce couple-là est un, est un outil puissant entre tes mains pour faire équipe d'une façon complémentaire pour refléter ton image, qui tu es, dans ton fils compris ces choses, et pour ta gloire. Amen.